Ebola, Marburg. Des virus mystérieux qui réduisent les entrailles en charpie et tuent jusqu'à 9 personnes infectées sur 10. Que se passera-t-il quand ces tueurs microscopiques arriveront chez vous? L'histoire que vous allez suivre est imaginaire, mais les faits scientifiques sont avérés. Nous sommes après-demain, quelque part dans la jungle ougandaise. Le gouvernement américain a dépêché un médecin sur place pour élucider une affaire de meurtre médical. S'il réussit, il pourra arrêter un tueur avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Comme tous les détectives, il remonte une piste et cherche des indices dans le passé récent. Qu'est-ce que j'ai? Je suis infecté? Heures plus tôt, sur une base militaire proche de Washington. Un officier des forces spéciales américaines rentre d'une mission en Ouganda. Il voyage léger, juste son barda et ses armes. Il a une stature imposante. Mais ce qu'il y a de plus effrayant chez lui, c'est ce qui se cache sous sa peau. Un virus est entré dans son corps. Pour l'instant, il est tapi dans les fines parois de ses capillaires, presque perdu au milieu des disques d'hémoglobine. Un filament d'Ebola. Mesurant seulement 80 nanomètres de large. Le virus Ebola est incroyablement petit, mais les dégâts qu'il provoque sont immenses. Ce virus vermiforme recèle un code génétique qui intime l'ordre au corps humain de s'autodétruire. Après des mois de combat dans la jungle et un long voyage de retour, le soldat pense qu'il va enfin pouvoir souffler. En réalité, dans les prochaines 48 heures, son état ne va faire qu'empirer. Bienvenue au bercail. Hey. Salut, ça va? T'es rentré quand? Aujourd'hui. T'es blessé à la main? Si tu voyais l'autre type, on se boit une bière plus tard. Ça marche. Le soldat met sa fatigue sur le compte du décalage horaire après le long vol jusqu'aux États-Unis. Mais c'est la première phase d'une déchéance biologique. Ebola compose la moitié d'une toute petite famille de virus appelée filovirus.
le virus de Marburg et l'autre membre de ce clan. Tous deux provoquent des fièvres hémorragiques, sans doute les plus terrifiantes de toutes les maladies. Marburg et Ebola déchiquettent leurs victimes de l'intérieur, réduisant leur corps à un amas de sang et de tissus flasques. Et leur taux de létalité est exceptionnel. Les maladies meurtrières comme la peste ou la fièvre jaune sont fatales à environ 20% des personnes infectées. Le virus tant redouté de la variole parvient au chiffre de 30%. Mais les filovirus tuent dans 50 à 90% des cas. Pour l'instant, Ebola et Marburg se sont surtout attaqués aux populations d'Afrique centrale. Il semble que ces deux virus rôdent quelque part dans la jungle et que des incursions dans la forêt pluviale les aient fait sortir de leur cachette. Selon les scientifiques, les filovirus seraient apparus il y a des millénaires. Le virologue Peter Jarling étudie Ebola et Marburg depuis plus de 10 ans. Il n'existe aucun virus comparable dans la nature. Les virus primordiaux sont là depuis très longtemps puisque rien ne peut être le point de départ de leur évolution. Selon certaines hypothèses, les pestes bibliques auraient pu être des épidémies d'Ebola. Ils ont beau être très anciens. Jusqu'à récemment, les hommes ignoraient l'existence des filovirus. Marburg a été découvert en 1900.